Peggy 7. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé tout simplement d'arrêter la saison numéro 1. Tout simplement, c'est que j'avais en fait le jeu était en preview, c'est-à-dire c'était une version d'essai de grande nature, entre parenthèses, sauf que je me suis rendu compte, c'est que cette version a expiré, donc Ubisoft m'a renvoyé une nouvelle version, tout simplement pour pouvoir poursuivre ma série, en pensant que ma sauvegarde allait rester. Malheureusement, elle a sauté, donc même si c'était sur le cloud d'Ubi, en fait, malheureusement, ma sauvegarde était effacée. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Au pire des cas, ce qu'on va essayer de faire, c'est recommencer maintenant une deuxième saison qui sera beaucoup plus intéressante, sachant que maintenant, ce jeu-là, j'ai plusieurs avantages à vous proposer. Les vidéos ne vont plus durer 15 minutes, c'est un super point positif par rapport à ça. Après, il faut savoir que le jeu, maintenant, je le maîtrise beaucoup mieux, parce que la première saison, c'était une découverte du jeu, d'accord? On découvrait comment il fonctionnait, etc. Que maintenant, on a les vraies bases par rapport à ça. J'avais une bonne économie, j'avais une bonne civilisation, j'avais atteint le niveau 3, en fait, 3 sur 4, pour pouvoir développer une grande civilisation. C'est pas grave, maintenant on a un petit peu compris comment ce jeu-là, faut l'adapter. Je sais qu'il faut mettre les modules aussi, chose que j'avais pas forcément prêté attention dans les premiers épisodes. C'est pas grave, on va commencer tout de suite, j'espère que vous êtes prêts. Donc je vais couper rapidement tous ces dialogues qu'on connaît déjà, je pense. À part plus tard, je vais vous mettre les dialogues finales. Je reprends un petit peu la même confrérie. Donc je vais reprendre un petit peu la même configuration du terrain, ou peut-être qu'on va prendre des exploitations de matériaux rares, je sais pas lequel vous préférez. Parce que là, en fait, ce qui est bien, c'est que je peux tout simplement après rapporter beaucoup d'argent, en fait. Mais c'est un projet décoratif, c'est-à-dire qu'on a 13 sites de construction, d'accord. Et là, on en a 14. Après, là, on en a 32. Et là, on en a que 27. Je pense que c'est mieux d'avoir quand même... Mais on a moins de terrain, vous voyez? C'est-à-dire, je préfère prendre un grand terrain, comme ça on aura une forte économie pour pouvoir après faire les trucs par la suite. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Merci pour la phase 1, je charge. Oui, donc la saison, cette fois-ci, je sais comment vraiment, vraiment, sincèrement, le développer, ce jeu-là, à 100% quasiment. Sauf que je me ferai plus avoir comme au début, en fait, on s'est fait avoir. L'avantage que vous allez aussi avoir, c'est que la qualité elle va un petit peu augmenter. À voir s'il est à la mesure de vos ambitions. Merci, madame. Donc ça, ce sera une zone où on va mettre une énorme civilisation. Pour la région. Je crois savoir qu'il compte vous solliciter pour son nouveau projet. Il n'y a pas de souci. Mais chaque chose en son temps. Le protocole impose la mise en œuvre d'un spatioport dans le secteur. Donc, le parfait. Site de construction du spatioport n'est toujours pas pourvu en personnel. Votre équipe de construction emménagera dès que vous aurez construit les logements appropriés. Ah, la souris. Donc c'est parti, on va essayer de faire un truc bien. Hop. Ah, on dit, mais tu veux faire quoi? Je vais vous montrer. Hop, je vais passer par là, directement au pont, on va relier tout ça. Je sais, c'est beaucoup d'informations à retenir. Mais Adam a compilé pour vous une base de données avec toutes les informations dont vous aurez besoin. Voilà, je pense que je vais faire ça comme ça. Donc oui, je disais, c'est que maintenant on a un avantage tout simplement, c'est que le jeu on le connaît un petit peu, on sait comment ça fonctionne, donc on aura plus cette difficulté là, on va dire, à comprendre un petit peu le fonctionnement d'Anneau. Je le connaissais déjà, mais en fait j'avais juste besoin de temps pour pouvoir me perfectionner, j'avais pas fait forcément plusieurs parties avant, et du coup là ça nous donnera une bonne possibilité d'avoir la chance de bien progresser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, parfait, 10 comme ça. Ah, c'est pareil, comme ça on va rapidement développer tout ça. Bon, déjà on va beaucoup moins galérer. Hein. Hop. Par contre, ce qui va me manquer maintenant pour faire les fameux trucs, excellent. On va faire ça. Le module, on va le mettre en face. Le riz, on va le mettre vers ici. Comme ça, on va agrandir après les exploitations. À penser que la nourriture bio n'est qu'un luxe inutile. Donc, ça, je pense qu'on peut le mettre un peu plus haut. Vers ici. Non, pour l'instant, j'ai pas assez encore de trucs, c'est pas grave. Hein. Donc moi, je poursuis un petit peu ma création de maison. D'accord. Donc ouais, c'est un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup, sauf qu'au début, en fait, les personnes ne comprennent pas. C'est des fois, tu peux tourner plusieurs épisodes à la suite, et du coup, en fait, ils te donnent des conseils, mais j'ai déjà tourné pas mal d'épisodes. Donc le temps que ça arrive, en fait, pour vous, c'est sûr que c'est un petit peu en retard, en fait. Donc c'est pour ça, vous comprenez pas pourquoi vous me dites des trucs et c'est pas tout de suite... dans le prochain épisode que vous voyez ce que vous m'avez dit.
En fait, tout simplement, c'est que la personne tourne plusieurs épisodes à la suite et vous les dispatchez en fonction des jours à venir, en fait. Donc là, on est plutôt pas mal au niveau des énergies. Toute façon, vous allez voir, je vais pas m'embêter trop longtemps. Hop, hop, hop. Votre équipe de construction est l'une des premières en activité. Continuez Merci. comme ça. Vos concurrents vont tout faire pour réduire l'écart. Pour la prochaine phase de construction, vous devrez pourvoir le spatioport en personnel qualifié. Oui, t'inquiète pas, tout ça, ça va être développé dans très peu de temps. Donc après ça, on va faire une petite extension. D'accord? Donc après, on va essayer de pas trop déborder. Je vais essayer de les coller un peu à la chaîne ici. Mais ça, c'est un peu moins évident, en fait. Hein. Et faut dire que ça consomme énormément aussi. Hein. Ça va être facile, je pense. Les besoins en biens de consommation spécifique Attends, sont tu sais quoi? Insatisfaits. Je vais le virer dans une autre zone. Je vais le mettre là. J'essaie de pas faire trop le con parce que je connais un petit peu maintenant comment le jeu fonctionne. Au début, on avait vraiment du mal en fait avec tout ça. Et que maintenant, ça va se faire tranquillement. Donc maintenant, on a besoin de flotte. Hop. Attends, mauvaise idée. Je sais comment je vais procéder. Désalinisation. On va faire une petite ferme rapidement si ça vous dérange pas. Voilà, comme ça, ça va être plutôt facile. Maudit, t'as déconné un peu, je sais très bien. Je vais le mettre ici. Et je vais gommer en fait le reste ici. Non, je vais faire quand même quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà, on va essayer de mettre maintenant la possibilité de pouvoir avoir encore des maisons. Plus on a, mieux ce sera. On va un peu accélérer le temps. Comme ça, on va pas perdre de... Allez, on accélère un petit peu tout ça. On perdra un peu moins de temps en fait à construire notre première civilisation. Parce qu'en fait, il me faut des matériaux. Pour l'instant, je préfère pas être trop gourmand. Je préfère me faire ça petit à petit. L'avantage, sincèrement, d'être plus bridé par rapport aux 15 minutes, c'est qu'on peut vraiment savourer beaucoup plus le jeu. Sachant que c'est des jeux qui demandent énormément de temps de construction. Mieux vaut essayer de vraiment être en plein dedans en fait. Hop, hop, parfait. Magnifique. On referme tout ça. Là, je crois qu'il y a quelque chose à récupérer. Non, pas encore. Confiance en notre compagnie. Donc les infos, je vais les avoir dans pas longtemps. Dans combien de temps? Attends. Dans pas longtemps. Pour l'instant, je dirais que ça peut aller comme civilisation. Ici, on aura des matières premières après à exploiter. Voilà, justement. Tu vois, ça va pile dans la zone où je voulais. Voilà. Donc après, je peux pas aller pour l'instant sur d'autres terrains. Parce que le meilleur terrain, on va pas se mentir, c'est celui-là. C'est celui-là, il est gigantesque parce que ici on pourra faire un truc mais monumental. Regardez, regardez tout ce que je pourrais construire. Mais pour ça, il faut que je fasse une économie extrêmement puissante. C'est ce que je vais essayer de développer. C'est pour ça que j'essaie maintenant de ne pas faire comme j'ai pu faire en fait dans mes anciens épisodes. C'est tout collé en fait à la chaîne. Parce que je savais pas qu'en fait les modules, regardez là, je peux pas. On est d'accord. Je peux pas les déployer. C'est pour ça que j'en ai mis tellement en fait. Et que les gens en fait, après, moi je suis resté dessus en fait. Parce que ça me coûtait pas forcément très cher en fait de pouvoir en mettre plusieurs comme ça. Mais les gens sont restés bloqués. Ouais, pourquoi tu fais pas les modules, etc. T'étais pas forcément obligé de les faire, mais ça fait partie un petit peu du jeu. Mais après, on peut vraiment faire, par exemple, comme on faisait dans les anciens anneaux, de mettre plusieurs trucs comme ça à la chaîne, et d'un coup, ça te coûte un peu moins cher. Parce que plus on veut faire une expansion de ces usines-là à fond, plus ça va nous coûter en entretien. Et c'est vraiment très, 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 très cher. Donc, je vais encore mettre des bâtiments, parce que c'est ce qu'ils me demandent, en fait, de faire. Non, Body, ça c'est pas des bâtiments. Mais ça on en a pas fait en fait. Je vais plutôt le mettre ici. Je sais que ça va chuter un peu partout au niveau des... Non, même pas, ça n'a pas chuté. Je suis un petit peu surpris. Non, c'est bon. Donc, remets des bâtiments. Ceux-là, je vais les mettre plutôt de ce côté-là. Je vais les éloigner un peu. Je ferai plusieurs zones habitables en fait. Hein. Ça, je vais avoir de la chance, c'est qu'on va tout simplement rejoindre le bout là-bas. Parfait. Là, on a le pont, c'est pour ça que ça bloque. Hein. Pour ceux qui m'ont demandé pourquoi tu peux pas construire au-delà, c'est qu'il y a un petit pont et du coup, c'est embêtant. Surcharge du réseau électrique. D'accord, surcharge du réseau électrique. Il n'y a aucun problème pour ça. On va essayer de se faire quand même un petit réseau bien sympa dans ce coin-là. Colle pas trop body. Attendez, je vais le faire juste ici. Voilà, comme ça, je vais essayer de faire ça comme ça proprement. Voilà, j'essaie quand même de faire un truc bien propre. Hein. T'es un peu con parce que tu pourrais après, attends. Ouais, bon, au pire des cas, après j'aménagerai la route d'une autre façon. Je sais pas si je peux faire ça, attends, fais voir un truc. Ah, c'est chiant, attendez. Un instant, si vous le permettez. Non, Body, tu fais des bêtises. Tu dois faire ça.
je crois pas que je peux. Ouais, tu vois. Attends, je vais tout refaire. Là, je vais un peu repousser le truc un peu plus loin. Hop. Vous allez voir. Ça va être beaucoup plus pratique de faire ça de cette façon. Voilà. Voilà, tu te fais un peu gêner. Donc, du coup, c'est pas intéressant. Bon, c'est pas grave. Ici, c'est parfait. Non, c'est plutôt celui-là que ça va être parfait. Mais en fait, tu bloques toujours, en fait, ici. Ok. Donc, hop, je casse tout ça ici. Je casse cela là. Défaillance énergétique. Mais ne t'inquiète pas pour l'énergie, je vais vite redresser tout ça. Laisse-moi un peu le temps de me réadapter. Voilà. L'énergie, je vais le mettre ici. Comme ça, en fait, je pourrais faire une extension. C'est pour ça que je me suis arrêté comme ça. Et après, au pire des cas, on essaiera de joindre tout ça, on va voir. Donc là, c'est parfait. Donc l'énergie a repris son cours. Maintenant, on va prendre la fameuse antenne que je vais essayer de mettre ici. Plutôt là. Toute une gamme de services d'information à la portée de tous. Ils sont pas branchés, c'est sûr et certain. Profiter pour s'informer et affûter leurs compétences. Putain, ils sont branchés jusqu'ici. Vous pensiez vraiment que j'allais m'y coller ? C'est pas mal. Maintenant, on va passer après, dès qu'on va améliorer la première civilisation, opérateur à votre service. À un autre truc. Maintenant, il faut que je passe au niveau des opérateurs pour mettre des robots. Là, on va commencer à mettre des mines. Construction et du personnel au sol plus vite que je ne m'y attendais. Vous êtes plus que capable de surmonter le premier obstacle majeur qui s'annonce. Le programme impose que votre ville soit reliée à la station spatiale de Global Union par un ascenseur orbital. Pour l'instant, il n'y a que les méga-corporations du Big Five pour exploiter ce genre de technologie. Mais je suis persuadée que c'est dans vos cordes. Bien sûr, ne t'inquiète pas, très cher. Vous avez réuni les composants nécessaires à la construction de l'ascenseur orbital. Il n'y a que le câble qui exige des matériaux hors de vos moyens de production. Mais voilà. Vous voyez, ça commence déjà à mieux se développer. Alerte. Surcharge du réseau électrique. Ah, par contre, j'avais oublié que l'énergie est très 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 chaude à obtenir. C'est vrai, parce que j'ai mis des usines en fait qui sont très gourmandes. Donc ça, pour l'instant, j'y ai pas encore assez. Donc désolé un petit peu, on va mettre un peu les trucs au pif hein, en attendant. Faut que j'en mette en moins une... Je vais les supprimer après. Hein. Ah, j'ai pas assez de matériaux pour pouvoir construire ça. Je pouvais en mettre plus, mais après ça sert à rien, c'est un peu trop gourmand pour rien pour moi. Il en manque encore 3, encore 2 même. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Donc ça, je vais plutôt le mettre vers ici. Ça, c'est provisoire, hein, les trucs comme ça. Tant que j'ai pas débloqué ça, en fait. Hein. Ça, je vais essayer de privilégier ça. Maintenant, ce qui va nous manquer, c'est du personnel. Ne t'inquiète pas, laisse-moi le temps de installer ma deuxième couche de personnel. Tchoup, tchoup, tchoup. Normalement, ça doit être bon. Donc ça, c'est un petit peu plus... ça demande beaucoup plus de matériaux. Parce qu'il y a un peu plus de logements. Hein. Vas-y, buddy. Non, franchement, ce jeu-là, il est vraiment très, très intéressant. On peut faire pas mal de choses. Et du coup, en fait, le plus dur pour ma part, ça va être l'espace. Hein. C'est là que ça va se corser un peu. Mais c'est pas non plus impossible à réaliser des prouesses dessus, quoi. Mais il faut être bien déjà développé dans des bonnes bases. Hein. Si c'est pas le cas, on va un peu lutter. C'est pour ça que je préfère prendre un peu mon temps. Voilà. La valeur des actions progresse. Merci monsieur. Parfait. Maintenant on améliore. Non, je peux pas encore parce que j'ai pas assez de ressources. C'est pour ça que je patientais un peu en fait. Hein. Allez, vas-y, fais-moi monter tout ça. Magnifique. Donc c'est ça qui est plutôt cool en fait, c'est qu'on peut vraiment, mais vraiment, faire quelque chose de bien mignon en fait. Là, j'ai pas encore assez de matériaux. Alors, pour l'instant, ils ont besoin de rien. On a de la chance. Après, plus tard, on essaiera de leur mettre des trucs vitaminés, etc., etc. Je vais attaquer ce côté-là aussi. Donc, mettre 2 usines de ça, on attendra un peu après. Vas-y, Body, tu penses que tu pourras les installer? J'accélère encore un peu le temps. Donc l'argent, je me fie pas du tout en fait à l'argent. Il y avait du remue-ménage dans le coin. Nick Papadakis, Papadakis Enterprises. Il n'y a pas de souci, Papadakis.
C'est ici. Voilà, c'est nickel. Donc, à partir de là, je vais refermer tout ça. On va refermer, on va le rendre un petit peu étanche, le truc. Je suis même pas sûr qu'on peut. Si, j'ai bien fait, en fait. J'ai bien posé ça comme il fallait. Par contre, ici, je ne refermerai pas. Comme ça, je me ferai la station de métro un peu plus tard. Et après, le monument final, hein, bien évidemment. On va refermer comme ça. Hop, hop, parfait. Donc là, les deux sont bien branchés. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est améliorer encore certaines zones. Rien de bien compliqué, hein. On améliore les grandes, hein, je préfère. Même si elles coûtent un peu plus cher. Donc l'avantage, c'est qu'après, si ça nous dérange, en fait, on peut gommer les petits. Mais là, il faut quand même des petits, on va pas non plus se mentir. On pourra les gommer et pour voir après mettre des grands à la place. Mais je trouve que c'est bien d'équilibrer entre les deux. Ça permet d'avoir, en fait, une stabilité, on va dire, plutôt correcte. Non, c'est pas ça, je veux A. Donc je veux mettre celui-là. Non, je peux pas, parce que la promotion, pour l'instant, ça demande 6, hein, je crois. Hein. Non, tu vois. J'ai pas encore mis assez de bâtiments pour lui. Ok, pas de soucis. Donc, je vais repasser avec un trait. Plutôt une route ici. Qu'on va refermer là. Dernier niveau, body. Un petit niveau, par contre, faut pas que je fasse trop grand. Alerte. Sous-approvisionnement de biens de consommation spécifique. De quoi ? Nourriture bio ? C'est laquelle, nourriture bio ? Nourriture bio, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Ah oui, mais c'est celle-là. Non, attends. La nourriture bio, c'est celle-là. Ouais. Il en faut deux. Donc, la deuxième, exploitation... Je pense que je vais la mettre... Attends, je réfléchis bien. C'est ça qui est chiant, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup de place dans les premières parties. Je vais le coller un maximum ici. Non, je peux pas. Est-ce qu'il y a une mine, en fait? Attends, je regarde, parce que s'il y a une mine, je vais être comme un gros con. Non, c'est bon. Donc, je peux le mettre juste ici, au rebord, en fait. Parfait. Donc, après, on essaiera de le mettre un peu plus, plus sur la longueur. Ici, je sais que j'ai un truc. Là, on a un gisement. Après, j'en ai pas forcément beaucoup des gisements ici. Hein. Mais bon, l'avantage, c'est que maintenant, on sait comment tout fonctionne. Ici, on a un truc à accepter. Aujourd'hui, les défis sont plus nombreux que jamais. Ce dont nous voulons commémorer la première... Construire un monument. On le fera un peu plus tard, le monument, en fait. Parce qu'il faut qu'on utilise des trucs, etc., etc. Donc ça, ça va être un peu plus long. Moi, ce que je veux, c'est cette île-là. Elle est magnifique. Hein. Comme dans mon premier épisode, comme dans ma première saison... Franchement, c'était la meilleure. Alors, maintenant, tout est bien. Eh bien, je peux vous rendre service ? Non, pas encore. Ah, c'est 1000. Ok. Bon, on accélère le temps, on va pas non plus s'endormir. Ça monte au niveau du personnel. Hein. Le bonheur ? Oh, c'est un bien grand mot. En fait, ce qui leur manque à eux, c'est la nourriture bio. Que puis-je faire pour vous ? Dès que la nourriture bio va être stable, on pourra améliorer davantage en fait cette civilisation pour la faire prospérer beaucoup mieux. Mais vu tout ce que j'ai mis, je pense qu'il m'en faudra beaucoup plus encore. Deux, ça suffira pas. C'est quoi ça ? D'accord. Donc ici, je mettrai en fait le fameux... Comment vous expliquer ça ? Le fameux en fait métro. La station de métro, en gros, quoi. Je continue encore avec des petits. Je sais que c'est un peu trop gourmand, ce que je suis en train de faire, mais bon. Ça pourra nous aider juste après. J'ai un deuxième plan. J'ai pas encore dit mon dernier mot. Je pense que je vais pas trop m'emballer. En fait, je vais mettre les ressources ici. Tiens, ça peut être une bonne idée, en fait. Je vais tout recoller. Avant, ce qui était un petit peu chiant, c'est qu'il fallait mettre un hôtel, en fait, en milieu. Que maintenant, en fait, tout est... Il n'y a pas besoin de mettre des entrepôts à chaque fois pour pouvoir voir ça. Donc... On a besoin de nourriture bio. Ça peut être un bon terrain d'exploitation ici, je pense. Magnifique. Ferme de tournesol. Ah, attends, c'est celle-là. Voilà, les deux extrémités vont se rejoindre. Donc c'est bon, vous voyez, d'un coup, tout s'est redressé correctement. Parfait. Allez, maintenant on a pas mal de matériaux. J'appuie sur la touche A et on fait progresser le reste.
nouveau plan prêt pour intégration. Magnifique, là ça va exploser au niveau de la démographie. Vous allez dire, ah ouais, pas mal. Hein. Ça va être vraiment plus sympa à gérer. Donc après, ce qui est bien, c'est d'avoir un juste équilibre. Vous allez dire, mais pourquoi en fait? C'est bien d'avoir des petits et des grands. Je crois qu'il manque quelque chose encore. Attends, faut que je surveille vraiment tout. Que j'avais pas eu d'invité aussi important. Dès que Lei Sheng aura terminé sa restructuration, tout reviendra à la normale. Ce qui va me manquer, voilà. En fait, j'ai tellement mis de bâtiments, ouais. C'est ça qui va nous poser un problème. Il faut vraiment les nourrir, ces petites bouches. Les consommations spécifiques sont insatisfaits. Mais ne t'inquiète pas, encore la nourriture bio. Je fais ça provisoirement pour l'instant. C'est là où on va l'enlever, cette exploitation. Je vous le dis d'avance. Hein. Les besoins en biens de consommation spécifiques sont insatisfaits. Voilà, ça va être une bonne source d'économie ici. Ah, il va nous manquer maintenant un petit camion. Le petit camion, où est-ce que je peux le mettre? Non, là t'as ta ferme. Je pense que je vais le mettre plutôt vers ici. Attends. Ouais, il n'y a pas besoin de s'emballer. Tiens, ça fait du bien ici. Après, de toute façon, ici, il y a juste trois trucs à mettre et il n'y a rien d'extra. Allez, vas-y, Bodhi. J'accélère le temps. Encore un petit effort. En fait, ce qu'il me faut, c'est ces premières matières là de construction. Donc l'énergie est plutôt médiocre pour l'instant, elle est pas stable. Allez, on remet encore une couche. Je mets ça au pif. Hein. Voilà, 24. C'est en attendant de passer au prochain niveau en fait, d'avoir la bataille navale. Et là, je vais commencer à remporter pas mal de trucs. Et on va agrandir notre civilisation d'un coup. Vous allez faire, ah ouais, putain. Allez, vas-y. Donc pour ça, il faut que j'améliore les gros et les petits. Oui, on manque de matériaux encore. Ah là 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 là. On accélère tout ça. Il en faut quand même 1000, hein. C'est pas rien. Hein. Donc, rassure-moi qu'on a... Attends. Oh, ça progresse pas encore. Je vois que ça a le temps. Peut-être ça va aller un peu plus vite. Vous voyez, 1000, c'est pas un score facile à atteindre. Hein. Tiens, 820. Aïe, 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 aïe. Faut vraiment que je commence à remettre des grandes maisons. Hein. Je pense qu'il y a quelque chose qui va manquer. Non, c'est bon. C'était les ressources qui me manquaient, finalement. Mais ce qui est bien, déjà, c'est qu'on n'a même pas de soucis, en fait, au niveau de l'argent, pour le moment. On n'a pas de problème, après, de grandes pénuries importantes. À part qu'il y a des jus de fruits en fait après à leur mettre, etc. etc. Attends, il y a un centre qui manque quelque part, je pense. Entre moi, c'est où ça manque là? Ah ah, c'est quoi ça? Un jour, notre corporation. Ouais, mais ça, on s'en fout en fait. Hein. J'ai pas mis de maison ici, moi. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils me disent que j'ai un truc ici, mais j'ai rien mis en fait d'extra là-bas. Voilà, une petite civilisation qui va être bien développée. Donc là, je pense que c'est bon dans pas longtemps. Voilà, tu vois, j'accélère le temps et je suis sûr et certain qu'on va passer à 1000 dans très peu de temps. Après, il faut que je fasse des boissons vitaminées. Donc je vais les faire immédiatement. Dans une exploitation particulière, opérateur, boissons vitaminées. Je pense que les boissons vitaminées, je vais les faire ici. Alors là, ça sera, comme tu as dit tout à l'heure, autre chose. Voilà, on va le mettre plutôt là. Est-ce que je peux faire après la nuit? Non, je peux pas. Donc mieux vaut les mettre ici. Mais après, c'est ça qui m'énerve, c'est l'espace en fait qui manque. Donc pourquoi tu t'embêtes, Body? Fais-le là. Voilà, et ça tu le mets là. Alerte. Vous faites bien de pourvoir au bien-être de votre personnel. C'est le meilleur moyen de vous assurer un afflux constant de main-d'œuvre. Voilà, enfin, j'ai le gros truc que je voulais. L'énergie, c'est bon. Je peux gommer. Certaines choses, comme par exemple ça, ça me sert à rien. Vous voyez, on a beaucoup d'énergie. Et après, je mettrai les turbines en question, ça va aller encore plus vite. Hein. Donc, je pourrais gommer pas mal de choses. Donc, maintenant, on va tout simplement un peu avancer ou pas? Oh. Il est pas sérieux, il me les a remis en fait à 800. On était à 920 tout à l'heure. Ah, ils ont tous migré. Tout ça parce qu'en fait, je prends mon temps en fait, pour pouvoir les améliorer. Parce que d'habitude, je mets des gros en fait partout, mais là, je voulais pas trop m'étaler avec les gros. Donc les petits en fait sont pas très intéressants non plus à mettre. Hein.
Ah là 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 là. Parce qu'en fait, ici, ça va être bien. Tu sais quoi? Je peux pas m'en... je vais m'emballer un peu, je crois. Je vais mettre des gros ici. Ah, en fait, c'est là que ça leur manque des choses. Ok, attends. C'est eux qui sont pas connectés. Cette visite chez moi. Moi, je les déconnecte. Comme ça, je mettrai autre chose à la place. C'est mon humble chez moi. Maintenant, c'est l'eau qui leur manque. Ah, ils se foutent de ma gueule. Je te jure qu'ils se foutent de moi. Mon glow, ça va être facile à récupérer. C'est juste là. Attends, est-ce que j'ai un autre truc en négatif? Ça, ça va être en attendant. Bon, enfin, ils vont commencer à remonter ou pas? Vous voyez, c'est pas... Ça prend du temps quand même de devenir médecin. Allez, là, c'est bon pour moi. Amine, on arrive dans très peu de temps. C'est bon. Enfin. La construction de l'ascenseur orbital dès que toutes les autres conditions seront remplies. Avec mon plaisir, c'est bon. On construit ça. Ouais. Ici Rafferty. Donc là, on a la fameuse flotte, la fameuse Bayard. On y va tout de suite. On va essayer de l'aider. Ils ont coulé tous mes navires et arraisonné le transport. Voilà, c'est à partir de là qu'on va commencer à débloquer des trucs. Je vais améliorer le navire, pour l'instant, je peux pas. Trop tard pour s'intéresser au règlement. Retrouver Rafferty aux coordonnées. On accepte la mission parce que j'aurais besoin de ça maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Libérer notre transporteur. Mais bien sûr, c'est trop facile, vous allez voir. Ah, c'est là que ces fichus poltrons nous ont. Oui, t'inquiète pas, on sait où c'est maintenant. Donc maintenant, je sais comment jouer parfaitement avec les assauts comme ça. Je vais en faire plein. Je veux dire, mais pourquoi tu vas en faire plein finalement? Parce que j'ai compris en fait comment tout fonctionne. Attendez juste un instant. Je vais juste parler avec tout le monde. Je sais que c'est beaucoup demandé. J'accepte ta mission. Toi, j'accepte ta mission. Toi, j'accepte ta mission. Voilà. Hop. On ramasse tout ça. Hop, impulsion magnétique. Non, vous allez voir. Franchement, là, on va regarder tout ce qu'on a. On a rien. Hein. Vous allez voir. Je vais vraiment prendre mon temps dans cet assaut pour pouvoir faire quelque chose de cool. Voilà, on va ramasser tout ça. Ah, comme un con, je l'ai mal utilisé. Donc là, je vais essayer de anéantir tout ce que je trouverai. Et tout ça, je savais pas que c'était des ressources, tout ça là, tous ces petits trucs là en fait. Au début, je pensais que c'était pas intéressant de les ramasser, mais finalement, si maintenant. On va tout ramasser. Nickel. Donc après, vous inquiétez pas pour les navires, on pourra les réparer. Hein. C'est pas ça, on va dire, le plus gros problème. Voilà, allez vas-y, détruis-le, ramasse-moi tous les objets body. Ouais, regardez, tout ça après ça va nous permettre d'améliorer nos usines. Au début franchement je pensais que ça servait strictement à rien de faire ça, mais avec un peu de recul c'est pas pour rien qu'ils l'ont mis. Hein. Bien reçu. Donc en fait ce qu'il faut faire c'est faire toutes les zones pour tout ramasser. Lui on va lui livrer les fameuses bombes nucléaires qu'il attend, les deux là. On est paré. Détruis-moi ça. Auto-réparation en cours. Voilà, la réparation, elle se fera tranquillement. Livraison. Vas-y, buddy, livre ça. Livré. Au poste de combat, il nous attaque. C'était du beau travail. Voilà, on lui a livré. Parfait. Maintenant, les attaques. On l'a rafistolé comme il faut. On va utiliser une impulsion IUM. Ça fait partie d'un défi aussi. Allez, détruis-moi ce véhicule. Donc on lui a livré, hein, je crois. Attends, montre-moi. Attends, il est où l'autre? Ah, oh, on lui a pas livré les bombes. Attends. Coordonnées confirmées. Mais si, je viens de le livrer en fait à l'instant. Attends, où mec? Ah, c'est bon, je crois qu'on lui a, on l'a terminé la quête. Elle a disparu, c'est pour ça. D'accord, ça, tu rêves, je le ferai pas. Ça, on sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Et après ça, en fait, c'est les trucs. Ouais, c'est bon, en fait, je suis bien avancé. Bon, c'est que je me suis foiré quelque part, mais finalement, non. Donc, je vais détruire ça. Donc là, on a d'autres petits perturbateurs qui risquent d'arriver nous gêner. On va tout casser.
En fait, il faut ramasser tous ces petits trucs-là. Il n'y a rien qu'on puisse pas retaper, mes graines. On va utiliser une arme nucléaire. Magnifique. Je vais ramasser pas mal de petits trucs. Voilà. Là, on va tout simplement ramasser encore certaines petites choses. Nickel. C'est parti. Je ramasse tout, hein, parce que même les trucs comme ça, il m'en faut plein. Au poste de combat. Et en même temps, on a un autre défi aussi, c'est de ramasser certaines choses. Vous allez dire, mais t'as besoin de ramasser quoi? Je vais vous montrer dans pas longtemps. Engagez le combat. Allez, neutralise-moi tout ça. En fait, c'est un jeu où il faut tout faire. Hein. Si tu fais pas tout, bah t'es un peu mal barré. Allez, toutes les ressources que ça rapporte. Parfait. Maintenant, il y a un truc à ramasser. Attendez. Je m'échappe. Ça fait 1. Il m'en faut 10 comme ça. Alors, 1. C'est un peu partout dissimulé sur la carte. Hein. Bougez pas. Il faut vraiment observer partout. Hein. Ça, on le fait juste après, ne vous inquiétez pas. C'est l'objectif principal. Hein. Donc, attends. Il faut bien observer tous les trucs. C'est un peu chiant de faire cette mission-là, en fait. Hein. Ramasser tous les petits objets comme ça. T'as mal aux yeux en fait à force. Putain. Attends. Où est-ce qu'ils ont pu le mettre le truc? Non. Moi je vais les faire au fur et à mesure. Donc là on n'a plus rien à récupérer, c'est bien. C'est parti. Je vais essayer d'aider les grands navires dans pas longtemps. On est paré. Pendant qu'eux ils s'occupent, tu vois. Récupérer les matériaux en question. Voilà, en fait, ils sont en petite ligne comme ça. Ça veut dire qu'il y en a normalement un quelque part ici, ou un sympa de Noël à récupérer. Tu sais même pas pourquoi ils ont mis un sympa de Noël, mais bon, ils ont des drôles de délire. Au poste de combat. Encore un petit effort. Voilà. Voilà, comme neuf. Voilà, on a récupéré un truc pour lui. Oui, ils sont juste ici, mes collègues, là. Impulsion IEM. Faut qu'on ramasse tout ça aussi, ça fait partie du défi. On va s'occuper de tout le monde, comme ça. Voilà, au revoir. Impulsion magnétique, ça va les dégommer. Vous voyez, franchement, c'est pas si compliqué, mais il faut vraiment tout faire, tout faire. Hein. Et au début, moi, je pensais que c'était juste l'objectif principal qui comptait, mais finalement, non. Système de réparation activé. Donc ça, c'est la petite bombe qu'il faut qu'on casse. Ah, il y a encore un navire, j'avais même pas fait attention. Oh, on peut le détruire avec un truc UM, on peut le propulser. C'est vous qui voyez, en fait. On est en route. Voilà. Ramasse-moi ça, s'il te plaît. C'est parti. Ça. Bah attends, il manque la petite boule là, elle est où? Tu vois, elle est juste là. Je passe échappe. On récupère le matériau rare. Mais j'observe tout au millimètre près en fait. Vous avez morflé, vous inquiétez pas. Les drones retaperont ça. Donc on va essayer maintenant de remettre certaines personnes sur le côté. Donc ça, on faut le détruire ça, tout ça. Dès qu'on l'aura détruit, ça va être beaucoup plus facile après à jouer. Magnifique. Ramasse-moi toutes les ressources. En avant, tout. Là, il y a un objet une à récupérer. Rapide, implacable et définitive. C'est bon, on a les 5 matériaux. Vas-y, body. Auto-réparation, on va pas s'embêter. Hein. Maintenant, on se rapproche plus en plus de l'objectif là-haut. Là. Attends, j'en ai réussi combien là? Le seul truc qui manque, c'est ça. Ok, parfait. Impulsion magnétique. Voilà. Il m'en manque combien encore? Attends. Bah, attends. J'ai juste un truc. Tiens. Je pense que je vais le neutraliser avec l'arme nucléaire. Voilà, ils sont complètement foutus. On est en route.
pourrait mal finir. Nos équipes on n'a pas encore fini. Hein. Un paquet de navires envoyés par le fond. Et aucun des nôtres dans le tas. Les oubliés, on n'a pas encore terminé. Hein. On avance plutôt bien, mais c'est pas encore complètement fini. Hein. Vous voyez, je vais l'améliorer. Donc là, je ramasse tout simplement tout le reste. Maintenant, ce qui a manqué, c'est tout simplement utiliser 4 fois les mines machin. Donc les mines, pour savoir, c'est ça. Attends, c'est ça. En fait, ils ont changé le défi, ces petits malins, quand même. Hein. C'est pas grave. Je vais chercher les autres trucs. On va casser tous les tourelles, tout ça. J'ai un truc. C'est quoi ces mines en fait qui me demandent là? Ah c'est ça, pardon. Oh lolo, je suis fatigué moi. C'est ça les mines, hein? Ouais c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait ils ont changé le défi plusieurs fois. C'est parfait. Voilà, il nous a encore plus donné de trucs. Nickel. Le dernier défi, on s'en fout de celui-là. Ça c'est bon. C'est bon. On a tout ce qu'il faut. Donc après vous avez le choix de soit de continuer encore un peu pour ramasser certains objets. Un peu partout, comme par exemple des ressources, je vais vous montrer juste après. Bon, missile nucléaire, on va tout larguer, tout notre petit arsenal avant de passer à autre chose. Nickel. Allez. Dormez bien les gars. Dormez bien. Et tous les matériaux qu'on a là. Hop, amuse-toi bien. Répare-moi ton navire, Body. Envoie d'autres missiles nucléaires un peu plus loin, sur la nouvelle flotte. Ils ont aucune chance quand même. Hein. Voilà, merci. Et tous les ressources. C'est dingue hein, quand même. Hein. Parce que c'est ça qui nous permet d'améliorer certaines ressources après par la suite. Donc ça, faut les détruire parce que c'est ça qui vous relâche la fameuse... Un peu. C'est magnifique. Parti. C'est pour ça que je préfère casser tous les tourelles en fait. Donc là, on a tout détruit. Je crois qu'il en reste encore une ou deux. Non, ça c'est bon. Là, il n'y a plus rien. Faut bien observer, hein. Avant de pouvoir quitter le jeu. Parce que vous ne pouvez plus revenir dans la mission. Hein. Mais il vaut tout saccager. Hein. C'est pour ça maintenant ces missions-là, je vais vraiment me tuer à les faire. Hein. Parce que ça me permettra de développer mieux ma civilisation. Ouais, il m'en reste encore deux là. Comme ça, on va augmenter encore ça et ça. Mes navires sont en chemin. Après, il faut savoir, des fois, il y a des tourelles un petit peu posées là-haut. Hein. Magnifique. Voilà. Ramasse-moi tous les matériaux rares, ça m'arrange vraiment système beaucoup. Système de réparation activé. Merci monsieur. Donc ça, ils arrivent sur zone dans pas longtemps. Ça, j'adore cette mine. Nous sommes sous le feu. Encore un peu. On peut aussi utiliser le bouclier si vous avez envie. Hein. Voilà. Allez, augmente encore un peu les chances. Et le dernier est juste ici. Ouais, franchement, c'est pas compliqué. Hein. Mais au début, j'avais du mal avec tout ça. Waouh, je me suis dit, mais c'est quoi? Pourquoi c'est aussi long, etc., etc. Magnifique. Et là, on a tout simplement d'autres petits matériaux. Ça, ça va bien nous augmenter. Hop, on ramasse tout. On peut même détruire ça aussi pour avoir le reste. Hein. Ce serait con d'utiliser un missile nucléaire rien que pour ça. Des fois il y a quelque chose, des fois il n'y a rien. Bah voilà, bah, je pense qu'on est plutôt bien avancé dans le premier épisode d'Anno. D'accord? Dans la saison numéro 2. Je vous ai fait un épisode assez long quand même, je pense. Et du coup on va se retrouver pour la suite. D'accord? Mais vous voyez, petit à petit, on peut quitter la mission. Hop, on la quitte. Tu mets oui. Et voilà, ça a augmenté davantage. On est passé au niveau numéro 2, on a un deuxième navire à améliorer, d'accord. Mais il coûte tellement cher, c'est que je préfère pas encore y toucher, parce que j'ai pas encore les ressources, j'ai pas envie de faire baisser mon économie bêtement.
Et après, petit à petit, on va essayer de se faire des choses beaucoup plus puissantes. D'accord? Donc moi, les amis, je vous dis à plus tard. Dans l'acheminement des marchandises, origine, pénurie de transporteurs.